Bonjour à tous. Donc, je vous présente mon prochain album, mon prochain projet qui sera sur le thème des vacances en mer, donc avec cette bloc de chez Action. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé à préparer les pages, enfin, les pages, ma déco en fait, comme ce sont des blocs. Où il n'y a pas, enfin, c'est pas facile de faire des belles présentations de pages. Du coup, j'anticipe un petit peu pour voir comment je vais m'organiser pour faire mes bases. Quelle dimension je vais prendre? Est-ce que je vais le prendre en hauteur? Est-ce que je vais le prendre plutôt en largeur? Donc, j'essaye de voir avec les étiquettes que j'ai comment je vais pouvoir valoriser au maximum mon bloc en fait hein, pour que ça fasse le plus beau rendu et puis valoriser les étiquettes, les papiers, etc. Donc du coup j'ai déjà fait mon choix avec les papiers que j'avais dans ce bloc. Donc voilà, ça va être en fait mes pages. Je vais faire du coup des pages dans la hauteur. Donc je vais prendre une page A4 comme celle-ci. Hop, je vais la plier en deux et ça va me faire la dimension de mes pages. Et là, je vais les utiliser en hauteur de manière à optimiser donc les feuilles déco qu'il y a dans le bloc. Donc je vais les utiliser comme ceci. Donc on plie en deux. Voilà. Ici, je vais découper juste une petite bande que je vais plier en deux, que je vais coller. Comme ça va me fermer ma page. Hop. Et ici, après, je vais coller une bande également avec un pli à 1, un autre pli à 2, donc une bande de 3 cm que je viendrai coller derrière cette page-là, là, le long et sur ma tranche. Voilà, ça me fera mes bases de cartes. Et après, du coup, ce que j'ai envie de faire sur cet album, un peu ce que j'avais fait sur l'album des vacances en montagne. C'est-à-dire que quand on va ouvrir les pages, on aura une page de chaque côté. Et du coup, on aura ce fond de page-là de chaque côté avec une déco, avec toutes les étiquettes qu'il y a dans le bloc. Donc, c'est une chance, il y a pas mal d'étiquettes. Donc, on va pouvoir faire quand même une jolie déco. Voilà. Donc, en ce qui concerne déjà le projet, c'est comme ça que je le débute pour optimiser un maximum. Les pages déco du bloc et puis que ça fasse un joli rendu. Bon, je pense que je vais utiliser un fond blanc, hein, c'est ce qui va aller le mieux avec. Oui, voilà, le blanc, c'est ce qui va rendre l'ensemble harmonieux. Donc voilà pour le début de cet album. Bisous, bisous.